Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche et le dimanche c'est jour de soins. Je fais toujours mes soins capillaires le dimanche, mais pour être honnête, le dimanche je pense qu'à une seule chose, c'est ça. Donc je me suis installée tranquillement sur mon lit pour regarder une série quand tout d'un coup j'ai entendu des voix et le son provenait d'en haut, de ma tête, de mon crâne, enfin de mes cheveux quoi, mes cheveux m'ont parlé. Je sais pas trop comment expliquer, mais en gros voici comment ça s'est passé. Trop bizarre. Je laisse imaginer ma réaction. J'étais choquée. J'ai fermé mon Mac, j'ai pris mon téléphone et je suis partie sur l'application Uber pour commander un repas complet et équilibré. Je me suis dirigée vers le restaurant Garnier Fructis parce qu'il proposait une offre, un menu acheté, un menu offert. Moi, je suis grave team offre, team promo. Bien évidemment, j'ai opté pour la formule entrée plat et dessert. Donc, quelques minutes plus tard, le livreur sonne à ma porte. Je récupère ma commande, je vous montre ce que j'ai pris. J'ai commandé le menu Air Food à la pastèque et pour le menu offert, j'ai pris le menu à la banane, classique. Je commence par l'entrée, donc je vais laver mes cheveux avec le shampoing à la pastèque. Je mouille bien mes cheveux, je renverse le shampoing dans mes mains. La gamme à la pastèque est dédiée aux cheveux fins. Le shampoing est composé à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Il nettoie mes cheveux en douceur. J'applique du shampoing principalement sur mon cuir chevelu pour me débarrasser des impuretés et je fais un seul shampoing. Mes cheveux sont vraiment complètement propres et je rince. Pour le plat, je vais utiliser l'après-shampoing toujours à la pastèque. Je commence par appliquer grossièrement l'après-shampoing sur mes cheveux, puis je fais 4 sections et je vais démêler mes cheveux avec mon peigne en bois. J'hésite pas à reprendre une noisette d'après-shampoing parce que j'ai beaucoup de nœuds au niveau des racines. L'après-shampoing pénètre bien mes cheveux et il facilite le démêlage, il y a vraiment un bon glissant. On nous propose une formule à base de 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Une fois que j'ai fini de démêler l'ensemble de ma chevelure, je rince directement l'après-shampoing. Pour la troisième et dernière étape, je vais utiliser le masque 3 en 1 formulé à base de 97% d'ingrédients d'origine naturelle. L'odeur de ce produit est délicieuse. Tous les produits de la gamme sentent la pastèque, le bonbon à la pastèque, ça sent trop bon. Je vais utiliser le masque comme leave-in, donc comme soin sans rinçage, et je vais faire un breadout. On est sur une texture douce et crémeuse. La crème pénètre assez bien et nourrit les cheveux en profondeur. On se retrouve le lendemain. C'est le moment de défaire mes nattes. J'ai ajouté aucun produit sur mes cheveux pour retirer les nattes. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont très bien définis. Là, le rendu est très plat, donc je vais séparer tous les brins. Je passe tout de même mes doigts au niveau des racines et je secoue bien ma tête pour redonner du volume. Et voici ce que ça donne. J'adore. Mes cheveux sont vraiment ultra légers et ils sentent super bon. Bon, on se retrouve. Je suis vraiment super contente. Nouveau au menu Air Food, la pastèque. Jusqu'à présent, les menus Air Food se composaient de 4 variantes. Le menu nourrissant à la banane, le menu hydratant à l'aloe vera, le menu lissant à la noix de macadamia et le menu réparateur à la papaye. Et le petit nouveau, c'est la solution pour les cheveux fins à la pastèque. Donc cette routine capillaire est adaptée aux cheveux fins. Elle nourrit les cheveux sans les alourdir afin de les repulper, de leur redonner du volume. Les packagings sont toujours inspirés de bouteilles de smoothie, c'est très coloré, j'adore les packagings. Donc la routine complète est composée à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Les produits sont vegan, sans silicone et sans colorant artificiel. Je souhaite rebondir sur le terme cheveux fins, peut-être que dès que vous avez entendu cheveux fins, vous vous êtes dit « moi j'ai les cheveux crépus frisés, cette routine n'est pas faite pour moi ». Mais attention, faut pas confondre le diamètre du cheveu et votre type de cheveux. Je m'explique. J'ai les cheveux crépus et j'ai les cheveux fins. Comme il y a certaines personnes qui ont les cheveux crépus et épais ou des cheveux raides et épais. Donc mes cheveux ont deux besoins. Ils ont besoin d'être nourris slash hydratés et de retrouver du volume. Je vous cache pas que mes cheveux adorent les produits lourds. Ils adorent les produits
très épais, très riche. Donc à voir sur le long terme comment mes cheveux vont réagir avec cette nouvelle gamme à la pastèque. Mais en tout cas là, ils se portent bien, ils sont doux, ils sont brillants, ils sentent tellement bon. L'odeur du masque, vraiment, elle est incroyable. Ça sent vraiment le bonbon à la pastèque. Alors toute la gamme a la même odeur, le shampoing, l'après-shampoing et le masque, ils sentent vraiment exactement pareil. Le parfum, il est juste addictif. C'est vraiment dommage que je puisse pas vous faire sentir à travers l'écran, mais ça sent super bon. On arrive à la fin de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé un menu Air Food. Dites-moi également quels sont les besoins de vos cheveux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air et abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye!